Ok! Yes, c'est là tout, c'est Ricalcosté, on est parti pour la suite de nos aventures sur Légende Pokémon Arceus, comme c'est marqué, voilà, moi je peux pas me tromper, il suffit de lire pour une fois. Et cette fois, effectivement, j'ai décidé de lancer cet épisode sur ça, parce que voilà, ciel rouge, tout ça, donc ça explique sur quoi je vous ai laissé la dernière fois. Ça va être notre destination d'ailleurs, ce me semble, je crois que j'ai fini tous les préparatifs pour ce soir. Alors prenez la version 1.1. Point, 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 point. Mais on t'inquiète pas, on va retrouver notre cher ami. Juste là. Alors que la musique n'est pas la même, c'est vrai, j'avais oublié. Et donc, normalement, je ne sais pas, mais normalement, on arrive à la fin de cette histoire. En tout cas, l'histoire principale. Je l'espère. Il me ramène déjà à la question, est-ce que je continue, est-ce que je complète le Pokédex de ce jeu ou pas après derrière. À voir si vous êtes seul ou pas. Je rappelle, j'ai toujours un quatrième à faire derrière, ça j'oublie pas pour la communauté intéressée. Mais pour l'instant, j'espère finir au moins l'histoire. Là, dans ce sens-là. Perturbant parce que normalement c'est... même pas si je pouvais le paramétrer ça, j'ai pas fait attention. J'aurais dû regarder les options depuis le début. Peut-être que ça m'aurait aidé. C'est peut-être ça mon problème depuis le début. Hop. J'ai oublié de lancer mon chrono, tiens. Hop. C'est parti. La suite. La bataille s'annonce terrible, mon couronné. Es-tu prête à y aller? Oui. Je suis prêt. Je suis ravi de l'entendre. Maintenant, écoutez-moi bien. Le temps et l'espace sont deux éléments indissociables. Dialga, le Pokémon qui est apparu au temple de Sinnoh, est celui qui dirige le temps. Si on le laisse ainsi, le temps de ici risque de se dérégler et d'entraîner la fin du monde. Mais Palkia, le Pokémon qui dirige l'espace, t'accompagne. Tout espoir n'est donc pas perdu. Car réunir le temps et l'espace permettra de rétablir l'équilibre nécessaire à la sauvegarde de notre monde. À présent, va au temple de Sinnoh. Accomplis ta mission avec l'aide de Palkia. Alors, sinon, je vous avais laissé la dernière fois suite à ça. On est allé au temple. Alors, on a eu pas mal de trucs. Hein, le papy qui faisait les patates, là. C'était un super ninja de la mort. Qui m'a fait un peu peur, quand même. Hein. C'est un beau combat. J'ai envie de dire, combat de surprise. Le chef m'avait banni, mais il s'est repenti. J'ai dû faire les épreuves des lacs, tout ça, il s'est passé tellement de trucs. Hein. On va aller voir l'épisode précédent, en gros. En tout cas, j'avais réuni de quoi tout sceller. Le problème, c'est qu'ils sont partis sans moi. Ils ont voulu régler leurs problèmes eux-mêmes. Ben, ça a pas bien marché. Moi, je me suis retrouvé face à un Palkia pas très enragé. Là-haut, alors que la faille est complètement déchaînée. Là. J'ai capturé Palkia avec un peu de luck, j'ai envie de dire. Sauf que Dialga est apparu. On n'avait plus rien pour s'en occuper. On a fait comme des lâches et on a préparé un plan de secours, à savoir une Pokéball un peu spéciale pour lui. Et d'ailleurs, il faut que j'aille récupérer Palkia. Non, on va récupérer Palkia, ce sera mieux. Non. Ou alors on s'en fout. On va voir si je peux quand même. J'ai gardé ma team jusqu'au bout. Après, si j'ai vraiment besoin de Palkia, ben, on changera. Hein. Comment tu vas me dire, est-ce que tu es prête Maintenant, écoutez-moi bien, le temps et l'espace sont bien. Ok, j'ai besoin de Palkia. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je vais prendre Palkia. Désolé, je pense que K-Mort va nous quitter. Pas besoin d'être vénère, ma cogneur, j'ai dit que... Ah, il a un meilleur niveau que mon petit Flouillon, c'est pas beau. Je crois que ça veut dire que Dialga, il risque d'être niveau 70. Bah, j'espère que mon Kémorse, il sera chouchouté. Hein. Il n'y a pas qui... Non, ça c'est le pont de merde, c'est pas le jeu du pont. Ouais, c'est le pont de merde, ça.
C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Non mais non, mais... Bla bla bla. Bla bla bla. Ah, c'est bon. En tout cas, je dois dire que votre petit village m'est fort sympathique. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil au magasin de vêtements. Hein? Vous croyez que c'est le moment? Bien sûr, on ne pourrait plus le faire si le monde vient à disparaître. Ah, quelle logique. Pas faux. Ori, dès que tu te sentiras prête, partons pour le temple de Sinnoh. Rendez-vous au temple. On y va. Bivouac de montagne. Et où tu vas? Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait celui-là. J'étais banni, je pouvais plus parler à mon poteau. Besoin de rien. Normalement mes Pokémon sont en pleine forme, j'ai tout bien préparé. Ah oui, par contre... C'est sûr. Ouais, on va faire le rapport maintenant. Capturez Palkia! Ça vaut 18 points de page. 850 Poké-Dollars, un Pokémon légendaire comme ça? Non mais oh! Ah, le braconnage, ça n'a jamais rapporté. Oui, il y a plein de niveaux 10. Palkia direct niveau 4. 300 misérables points de merde. Oh. Continue. Non, non. Go, go, go. Je devais aller... Ah mais je suis pas bien placé. Je dois aller là-haut. Merde, c'est le bivouac des signes que j'aurais dû aller. C'est pas grave. N'ayez pas peur, je gère. Je maîtrise. C'est pas le moment de me casser les couilles, les Pokémon. Pas de ninja pour me casser les couilles cette fois. Ouais, vraiment de faire ça, ça fait du bien. Je peux pas casser le truc. Tiens, je t'attendais. Évidemment, tu peux faire des achats au bivouac, mais je me suis dit que ça serait plus pratique pour toi d'avoir un marchand plus proche. Je compte bien être aux premières loges pour voir le monde des légendes se dévoiler sous mes yeux. Tu peux être sûr que je me rapprocherai autant que possible quand le combat commencera. T'en fais pas pour moi, je suis parfaitement capable de me défendre. Et puis, connaissant ta force et celle de tes Pokémon, tu auras certainement réglé la situation avant même que je puisse être en danger. Total soin, guérison. Comme si j'ai affronté le conseil 4, c'est bien. On s'en bat les couilles. Hop. Excusez-moi, je voulais spammer A pour ramasser les trois trucs. Avec le thème de la montagne, là. Que j'ai apprécié dans Pokémon Diamant Épée, au passage. J'arrête pas de le dire. Ça vaut une sauvegarde. Le couloir de la mort, on le connaît bien. C'est parti. Il faut jouer en première ligne, ça va être.
chef. Alors faut savoir que ce temple plus tard ce sera les colonnes lance. Enfin, en tout cas dans notre dans l'espace-temps que nous on connaît, c'est les colonnes lance, il n'y a pas de temple en vrai. Et juste là où on est, il faudra jouer de la flûte. Et là on va au ciel, au paradis. Rencontrer Dieu. Il n'y a pas le symbole d'ailleurs de... Non. Ah si. Non, il y a une dalle, mais c'est pas. Ça mène à un escalier, mais un peu plus haut. Alors, je veux pas te raffronter, hein. T'es repenti, tout va bien. J'ai longtemps pensé que pour protéger Rusticité, je vais éliminer tous les gêneurs, que ce soit toi ou le Pokémon du temple. Et tu m'as montré que je faisais erreur. Ceci étant dit, es-tu prête pour le combat? Oui. Alors, faut y aller, faut y aller. Oui, ce lieu est venu t'accueillir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une expression qu'on utilise au clan père. Ça veut dire que si on a un devoir à accomplir, il y a toujours un endroit dont on peut briller. Du coup, c'est pas une façon de dire t'inquiète pas. Finalement, le clan père commence à me plaire. Sache que nous sommes derrière toi, même si je pense que tu n'auras pas besoin de notre aide. Protège le temps et l'espace de tous les habitants d'ici et des Pokémon, Ori. Oui, cassez-vous, j'ai pas le temps. Gelga ou peut-être, mais moi j'ai pas le temps, allez. Bah voilà, c'est ce que je disais, y'a pas de temple. Bah oui, elle a explosé. Un île, j'ai un temple. Ah, parce qu'en plus il est en mode merde. Franchement, Primo Delga est beaucoup plus beau que cette lumière. T'as la même avec Palkia. Oh putain, le truc de merde. C'est du TP, déjà c'est du TP. J'aime pas. Moi je dis que... Yeah. Oh merde. Attends. On va prendre des patterns. Ah, la visée, elle est incroyable. Yeah.
tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais parce que tu m'as fait, mais tu m'as fait très mal. J'ai rien compris. Comment déjà me casser les couilles? Bon, c'est quand même le dernier boss, donc c'est normal que ça soit dur. Pour conserver la jauge, je peux tout mourir. Je vais la faire faire play. Donc on rappelle, XTP, il me défonce la gueule. Ah ah! Horreur de la visée, elle. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça que je sais pas comment ça fait. J'appuyais, connard. Putain. Ah, le décalage entre le lancer et l'esquive. Je savais qu'il allait se TP, mais c'est un pattern d'après, quoi. Casse-couille. Ouais, comment déjà par faire ça? Vraiment esquivé. Ouais, quand tu fais d'attaque, ça va.
la grosse attaque, je sais pas comment. J'adore quand je le tape et que ça ne touche pas. J'adore. C'est ça qui me cache les couilles. Même sur Elden Ring, la visée elle est mieux. Alors que j'ai pas joué au jeu. J'ai pas du tout ce qu'il faut toucher, hein. Tout à l'heure je sais pas du tout ça. Alors ça c'est une attaque de coup de pute. Hein. Ok, on le défonce. Pétez. Le plus rapide, c'est toi le plus fort. Enfin, j'ai le gars de niveau 65. Ok, j'ai pas assis. Coup critique. Mais du coup, j'ai que ça à foutre de me taper du coup critique, c'est pas le moment. Horrible. Ouais, vas-y, j'ai pas de cul. Mais il pue la merde. Est-ce qu'il y en a au moins un qui peut faire quelque chose là? Parce que là, c'est pas bon. On va tenter en rapide. Oui. Putain, c'est Torterra, le Pokémon starter de Pokémon Diamant que j'utilise. Qui va défoncer Dialga, bravo. One shot. En 3 tries.
On connaît mieux le temple. Alors, tu as réussi? Ça se voit, le ciel est bleu. Non, j'ai pas réussi, non, on est tous morts. Tu l'as attrapé? Non plus. Eh oui, capture réussi. Il est bien de l'Origin Ball. Bravo, Ori, tu as été remarquable, comme d'habitude. Enfin. J'en attendais pas moins de toi. Ouais, c'est ça. Et vous pleurez, Cormier. Je m'attendais pas à voir ça un jour. Oh, je suis heureuse d'avoir pu voir ça. Ah, ça va pas la tête. Je vais m'assurer de pas rêver. Écoutez-moi bien. Nous avons fait face à des difficultés sans précédent que nous avons réussi à surmonter en unissant nos forces. Quel enculé! Rappelez-vous l'épisode précédent quand il m'a banni? Unir ses forces, mon cul, ouais. Je pense qu'il est important de célébrer cet heureux dénouement en organisant une grande fête. Unissons les clans et les habitants du village et célébrons tous ensemble. Faire une fête avec le clan Diamant? Nos deux clans ensemble? Après tout, ça ne sert plus à rien qu'on se chamaille pour savoir qui vénère le vrai grand Sino. Vu qu'on sait maintenant qu'il y en avait deux. Passer tout ça. Ça va surprendre nos ancêtres qui se faisaient la guerre, mais... c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger cet espace qu'on partage tous. Nous allons fêter ensemble ce nouveau départ pour tous les habitants d'ici. Et maintenant. C'est tout, y a pas la fête et tout. Elle m'a montré les images, hein. On s'en fout des starters. Bon bah fin d'aventure au bout de 30 minutes de live, c'est super. Bah, j'aurais dû... ouais, je pouvais pas faire des hors-sup. Hein. Bon bah voilà. Ouais, le problème c'est que j'ai pas fini le Pokédex tout ça et comme d'habitude il va y avoir du post-game derrière donc plein de trucs à regarder. Donc est-ce que je dois critiquer le jeu maintenant? Je ne pense pas pour l'instant, on va regarder juste les jolis crédits et toute l'aventure. Quoique ça risque d'être un peu long parce que là on voit qu'on est déjà en deuxième zone. Là. Ça reste un bon moment et un jeu original j'ai envie de dire. Mais bon, il y a encore tellement de choses à voir, un Pokédex à finir, je pense que je vais quand même commencer à essayer de compléter le Pokédex. Évidemment, à partir de cet instant, je vais commencer à tricher un peu en cherchant sur Internet les derniers trucs. Alors, pas encore les feux follets, parce que c'est quand même de l'exploration, mais comme d'habitude, comme je l'ai fait dans tous les Pokémon dans les dernières générations, parce que j'ai la flemme de retenir, tout ce qui est évolution Pokémon, etc., c'est ça que je regarde le plus. Sinon, le reste, rechercher tel ou tel truc, sauf si vraiment ça commence à faire trop long. À la rigueur, je chercherai hors stream si j'ai le temps, parce que c'est vraiment un manque de temps. Mais bon, voilà, il y a ceux-là à capturer, du coup. Ninja! Ça, c'était la surprise quand même. Hein. Je m'attendais pas à ce que le type du restaurant allait m'attaquer. Finalement, on va peut-être critiquer un peu le jeu, du coup. Bonne ou mauvaise critique, hein, les bons et les mauvais côtés du jeu. Bon, on va rentrer quand même dans la catégorie sympatoche, mais déstabilisant pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer au jeu classique. Donc il y a un coup de main que j'ai toujours pas appris à apprendre. Hein.
parce que le fait de choisir le Pokémon adverse avant d'attaquer, bah, ça change du contraire. D'habitude, on nous dit l'attaque sur qui. Parfois, c'est sur tous les Pokémon en même temps, donc c'est un peu what the fuck. Les attaques sont pas du tout les mêmes, mais c'est normal. Hein, faut pas l'oublier non plus que c'est une hors-série, c'est pas la vraie série. Du coup, ils se sont permis ce genre de truc. Et on sait que ça a servi comme test pour le prochain jeu qui devrait avoir tout ce qu'il y a de meilleur de ce jeu-là. Avec le système qu'on connaît bien, donc il n'y a aucune stratégie, rien, c'est juste une histoire où on peut être à proximité des Pokémon, donc ça c'était le but. Donc au niveau des graphismes, il n'y a pas de souci. Au niveau des Pokémon par contre, j'ai envie de dire déjà un premier mauvais point, mais bon c'est normal, fallait s'y attendre. Je m'attendais plus à des Pokémon qui aient leur style à eux, et pas des Pokémon qui se baladent, oh il y en a un, frappons-le. Bon, il y en a 2-3 comme Abra, comme Monsieur Mime avec ses voiles, etc. Mais c'est pas... Il y a un truc qui manque. Et je pense que nul doute ils vont trouver le vrai truc. Vous pouvez pas faire un truc trop réaliste non plus, hein, j'ai envie de dire. Alors que c'est la fin des crédits, j'ai pas fini de critiquer, merde. Bon, on reprendra tout ça plus tard. Il n'y a pas que des mauvais points non plus, j'essaie. Merci d'avoir pris part à cette aventure. Hein. Et merci de m'avoir fait... du plaisir à y jouer quand même, hein. Mine de rien, même si j'ai pas encore tout fait. Donc la fête, c'est juste une photo. Je suis déçu. Moins 3 points. Le parc juste réagit. S'y attendait. Il y a toujours un post-game. Ça, s'il y en a pas dans un jeu Pokémon, c'est qu'il y a un souci. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Alors, j'ai reçu un SMS d'Arceus, il m'a dit va chercher les Pokémon. Une seconde créature, pas par avoir un dévotant de Simon. Oh. 4 tâches. Ah ouais, il faut que je sois membre 10 étoiles et tout, hein. Donc on va aller capturer les Pokémon. Je pense que je vais surtout aller chercher les Pokémon plutôt que de remplir Pokédex, hein, ça serait trop bon. Salut Ori. La faille spatio-temporelle a disparu. Ça veut dire qu'on a enfin fini avec cette histoire. En tout cas, on peut enfin se concentrer sur notre objectif, compléter le Pokédex. D'ailleurs, faut aller voir Selena pour parler de la suite des opérations. On se retrouve là-bas, d'accord? Je pense qu'il va y avoir 1 milliard de quêtes aussi, ça je vais les faire. On va s'attaquer surtout aux quêtes et on va s'attaquer au Pokédex. Et désolé pour ceux qui attendent à 4e, mais soyez encore patients, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Et dit que je le ferai un jour. Donc on est déjà en juillet. Oh là là, il y a 50 000 quêtes, incroyable. Bon, on commence déjà par l'histoire, hein, le post-game. Avant toute chose, t'es-tu bien amusé durant la fête? Ouais. J'ai vu une photo, c'est nul. Je suis épuisé, bah oui. On dit pas je suis épuisé devant sa patronne. Je vois. Faut dire qu'il y avait beaucoup de monde. C'est la première fois que je te voyais faire la fête. C'est la première fois que je voyais faire la fête. Vous confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, comment avance le Pokédex, professeur? Eh bien, je dirais que nous avons fait des avancées significatives. Néanmoins, il serait nécessaire de continuer à accomplir les tâches du Pokédex. Bien entendu, le problème est qu'il y a des Pokémon dont l'existence n'est mentionnée que dans les légendes d'ici. Ouais, comme ça fait pas longtemps qu'on vit ici... Ils vivent ici, à ici. C'est vrai que j'arrête pas de jouer avec ce jeu de mots pourri. T'as du mal à tout déchiffrer. J'ai pas pu m'empêcher d'écouter. C'est qui? Pour ce qui est de l'histoire et des légendes d'ici, vous pouvez compter sur moi. Pendant mon travail, enfin je veux dire lorsque j'avais un peu de temps libre, j'ai parcouru les nombreuses ruines d'ici afin de les étudier. Je pense avoir des informations intéressantes au sujet d'un Pokémon légendaire. Encore un. Bon, voilà qui est prometteur. Thank you. Voici ta mission, Ori. Apprends tout ce qu'il y a à savoir de Percupio et prête-lui main forte si nécessaire.
En ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous informer sur les Pokémon à notre façon. T'as compris? Je vais m'installer au bivouac du plateau. Retourne-moi là-bas, Ori. Dans les traces des légendes. Bien. J'aurais par ailleurs une petite faveur à te demander, mais je t'en dirai pas plus sur place. Oui, voilà, j'ai 10 000 quêtes, hein, c'est parti. Bonjour, c'est pourquoi? Ah, mais c'est toi le membre du corps des chercheurs qui fait des prouesses, non? J'ai un service à te demander. J'imagine que tu connais le tunnel de fer, celui qui est près de la chute d'obsidienne. J'aurais bien aimé creuser les murs pour voir s'il ne renferme pas quelques belles pierres. Le problème, c'est qu'un Pokémon plutôt effrayant bloque le passage. Tu ne pourrais pas essayer de le calmer? Ouais. Je vais lui péter la gueule. Tu me sauves la mise, merci. Une fois que tu seras prête à le calmer, retrouve-moi au tunnel. Le tunnel de fer. Bon, on m'a spoilé un truc, hein. Faut encore le dire. Je vais le faire tout de suite après. Exprimer sa gratitude. Millie du clan Diamant m'a expliqué qu'elle avait été sauvée par un Pokémon mystérieux il y a bien longtemps. Va la voir pour qu'elle t'en dise davantage. Qu'est-ce que tu veux pour aller vite. 92 quêtes. Il n'y en a pas d'autres. Oh. Professeur. Oui, ma chère amie. Je suis content de te voir. Dis-moi, ça m'irait d'emmener les Pokémon du laboratoire pour t'aider dans tes recherches? Oui. À la bonne heure. Je suis content de l'entendre. Tu ne regretteras pas, je te le garantis. On obtient le moustillon. Et le brin d'hibou. Da-da-da-da. On n'aurait pas un métamorphe. Est-ce que j'ai pas un peu de thune là? J'ai sauvé le monde quand même. Vous devez 1 milliard de Poké-Dollars, non? Mais genre, les radins. Un pays du tiers-monde, c'est pas possible. Genre, je sauve le monde, j'ai encore mon chez-moi cabanon pourri. Dans un jeu vidéo, quand tu sauves le monde, t'as le droit à un gros palace de ouf et on arrête de te casser les couilles. Enfin, quoi que, on te casse les couilles, mais pour d'autres raisons. Mais la différence, c'est qu'on t'appelle grand héros plutôt que Eori. On respecte même pas ici, c'est horrible. Encore qu'une étrangère pour vous. Je suis tombé d'une faille qui n'existe plus, alors foutez-moi la paix. Belle. Salut Ori. Nous avons quelqu'un d'unique au corps de la défense, un peu notre arme secrète. Pour dire les choses plus clairement, c'est un expert en combat Pokémon. Que dirais-tu de l'affronter? Vas-y, je le tente. Parfait, attends une seconde. J'ai entendu votre conversation. Voilà qu'il laisse présager un beau match entre deux experts du combat. J'ai entendu dire que notre arme secrète peut même réussir à vaincre un baron. Ah. Tout est prêt, suis-moi. Monsieur, où tu vas? Voici notre arme secrète, Oscar. Non, c'est où tu vas? Donc flatté, Belila, je suis qu'un humble garde. Je l'ai dit. Devant ces portes, je demeurerai invaincu. Il y a 3 Pokémon. Quoi? Le Conotor niveau 100. Niveau 100. 62. Ah, défends. Roue de feu! Écrase-moi cette merde. Il n'a pas pris le type haut encore. Allons quand même. Un style rapide. Je me fais défoncer par le code bidou. Close combat et tout Raptor, c'est bien. Je vais faire close combat sur un putain qui est une sorte de merde. Close combat. Eh bien.
quoi le deuxième? Anixi. Ah. Oui, j'ai changé de Pokémon. Une Potorterre. Ah, que de faire pour que je merde. Ah, qu'est-ce qu'il soit fait. Allez, accro de feu. Tremblement de terre. Genre, il est plus rapide. Mais sérieux. Rencontrer papa. Souffle. Mais de partout hein. J'ai juste plus de Pokémon. Un étourmi, bah nickel. Fatal foudre. Oh putain, la défense augmente. Oh, ça m'énerve. Touche le bordel. C'est rapide, après puissant, et après je me détruis. Allez, go. Défonce-le. Du type bol en putain, j'ai perdu trois Pokémon. J'ai mis le camion. Regarde, je pensais mes défenses solides, mais tu m'as complètement submergé. J'ai quand même de la chance que mes adversaires n'ont que 3 Pokémon, quoi. Faut l'oublier. Rien à dire, tu as été incroyable. Il semble bien qu'en affrontant tous ces Pokémon durant tes recherches, tu as pu développer une force extraordinaire. Quand je suis devenu garde, ma première mission fut de capturer des Quenotors qui s'étaient infiltrés dans le village. Puis jour après jour, je devais repousser tous les autres Pokémon qui tentaient de faire pareil. Et je me suis parfois fait taper sur les doigts pour en avoir laissé entrer. Certains sont devenus mes partenaires, et grâce à eux, je suis peu à peu devenu plus fort. Finalement, j'ai fait tout ça uniquement pour protéger les miens. Après tout, c'est mon rôle, n'est-ce pas? Maintenant que tu connais ma petite histoire, je me permets de te rappeler un conseil. Fais bien attention lorsque tu t'aventures à l'extérieur. Sur ce, je retourne garder les portes du village. Ouais. Et j'oublierai pas de dire où tu vas à chaque fois. J'ai oublié une fois, ça m'a fait mal. Il y a des rochers. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres quêtes? Non, il n'y en a plus. C'est fini. Je vais quand même récupérer mon K-Morse. Ou alors, non, je vais peut-être commencer à... Fais-moi un peu. Alors, désolé, pas le cas, hein. Je suis trop légendaire. Hein. D'ailleurs, on va te mettre dans une boîte spéciale, la boîte 14. On va chercher Dialga aussi. C'est le petit, hein, c'est pas le Dialga moche, il est horrible. Alors, voilà que je regarde pour Palkia à quoi il ressemble quand il est vénère. Mais bon, c'est vraiment parti en couille, hein, le jeu. Ils sont tellement beaux comme ça. Le Primo Dialga de Donjon Mystère, il est stylé. Pourquoi ils ont fait une sorte de machine bizarre on voit dans d'autres jeux, mais pas dans celui-là, quoi. Alors, par contre, j'avais un petit souci pour ces deux-là. J'ai pas envie de les faire évoluer. Faut juste que je regarde, parce que j'aimerais bien compléter leur page. Je pense que c'est la seule opportunité que j'aurai. Je vais les mettre en page 15.
notes et tout là. Ok, deux là. Alors que je recommence de zéro. Que je vois dans le Pokédex. Alors j'ai pas capturé Galgo. Ah, c'est parce que j'ai pas. Le bidouf. Cette semaine attrapée, fois où l'espèce a été défeuillage, atterrissage. Ah, on peut en capturer plusieurs du coup, d'accord. Atterrissage. Ah, le Pokémon feu, il est en 4-5-6, j'ai pas remarqué. Aqua Jet, Vibraco, tranche, et puissance, style rapide. Faire évoluer un spécimen. Bon, finalement, si on peut en capturer plusieurs. Moi on va regarder les légendes. Et où tu vas? Je vais aller reposer mes Pokémon, c'est le plus important. Donc je rappelle, ici il me reste un peu polaire à récupérer. Et d'ailleurs au temple de Sinnoh il devrait y avoir maintenant le Zerbi qui me manque. Dans les grottes aussi à vérifier. Alors est-ce qu'on a des quêtes? On a une quête là-bas, on va les voir. Ah putain, la quête principale, on va pas le faire tout de suite. C'est vraiment partir. Rien fait. Non, ça faisait longtemps. J'ai entendu parler de tes exploits, tu sais. Ça m'a pas étonné. J'ai vu de quoi t'étais capable quand tu t'es occupé de Mélocric Baron. Donc côté, ça a pas été facile non plus. On va savoir pourquoi Grandflex tient pas en place et arrête pas de s'enfuir aux quatre coins d'ici. Mais où est-ce que tu vas encore? Je sais pas trop ce qui le préoccupe. Mais à chaque fois, c'est pareil. Il disparaît sans prévenir. Je peux te dire que c'est pas évident de le retrouver. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'était? On aurait dit que ça répondait à Goinfrex. Marquez, je joue Goinfrex et vous indique sa destination. Cet endroit, c'est l'île Rosa Rugosa. Oui. Ça m'inquiète. Je demande si une nouvelle menace est sur le point de s'abattre sur la région d'ici. Enfin, je me fais peut-être des idées. Bref, si on allait plutôt voir ce qui se passe sur l'île. Ça, ça m'intéresse. Voilà, très jolie quête. Le nouveau bruit peut changer. Oh oui, il va y avoir les deux Pokémon que je pense. On va faire ça tout de suite. Je réfléchis pas. Let's go. On fait cette quête. On réfléchit pas. Cette quête m'intéresse. On s'en fout de tout le reste. L'idée est crevée. Faut que je vérifie si j'ai bien toutes les quêtes maintenant. Un de 3, la 4 c'est pas fait, mais le 10, 10 je l'ai normalement. Ah non, je l'ai pas le 10. Oh putain, il y a des quêtes que j'ai pas. Faut que je finisse les 15. Ils sont les quêtes. Bon, allons-y. Déjà, on va régler cette quête qui m'a l'air... La fonte diffusion, je vais me lancer. C'est pas le bon Pokémon, c'est pas lui qui m'intéresse. On est arrivé à l'endroit qui a intrigué Goinfrex. Ah,
Ça c'est... On les a déjà vus ces Pokémon. Et faire votre rapport à Arisa à propos des orbes. Non, il faut payer. Hein. Fuyons. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on est deux jours. On va attendre qu'on ait été venu. Je suis un peu con aussi. Pourquoi je prends pas ça direct? C'est par là. C'est juste des orugors en fait. Merci d'avoir mené ces recherches. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? L'apparition massive de Zorua. Il y a beaucoup de Zorua. Faites plus clair, qu'est-ce que tu as vu comme Pokémon? Quel est ce Pokémon? C'est Pikachu! Des rancœurs de Zorua. Des Zorua. Des Zorua. Des Pokémon rancœurs de Renard. Plutôt rare pourtant. On a aperçu un, une fois. C'est sur les terres immaculées. C'est ces Zorua qui te préoccupaient autant, ou Afrex? Il y a un Zorua parmi les deux. Trouvez-le. C'est de gauche. Mais qu'est-ce qui se passe, ou Afrex? C'est dédoublé. Enfin, ça m'empêche pas de reconnaître lequel des deux est le mien. On voit un frère que c'est celui qui est le plus éloigné de moi. Vous voyez que c'était celui de gauche. Un Zorua dans les plaines, c'est étrange. Oui, change de sujet, bien sûr. J'espère que c'est pas un mauvais présage et qu'il va rien se passer de bizarre. Au cas où, on devrait peut-être informer ta chef du corps, tu crois pas? Quel autre rapport est Céline? C'est mieux, on va faire notre rapport. Hein. Professeur, j'ai un rapport sur les deux Pokémon que vous m'avez donné. C'est fascinant, hein. Oh. Ah oui, j'ai dit le gars aussi. Et 100 points. Je vais retourner au village. J'ai un rapport à faire rapidos. Et après, on passera à la suite. C'est que j'ai encore beaucoup d'épisodes, en fait, hein, je me rends compte. Et en gros, j'ai pas utilisé mes super bonbons, rien du tout. Que... Bonne nouvelle. Rapport. Et des Zorua. Des Zorua qui sera plein. Ils se rassemblent hors de leur zone d'habitat naturel. Dû à la faille spatio-temporelle, difficile de tirer des conclusions pour le moment. Quoi qu'il en soit, merci pour ton rapport. Vous avez 30 hyperboles. C'est noué. Brie, il y a du nouveau. Depuis que t'es parti, que Winfrex ne tient plus en place. Il est comme attiré par plusieurs endroits. Et à chaque fois, une apparition massive de Pokémon est présente. Apparition massive simultanée dans des lieux distincts. C'est différent de tout ce qu'on a vu ici. Ça fait semaine. Réponse là. Une méga apparition. Ça m'inquiète. Pars sur le champ faire des recherches sur cette méga apparition. C'est un ordre. Si tu vas enquêter sur ce problème, quel soulagement. Dans ce cas, je t'attends à la porte principale. Il y a une autre quête là-bas.
Arrêtez, c'est pas que je fais une quête, on a 18 qui se débloque. Je finirai jamais le jeu. C'est trop long. Elle est où l'autre quête maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire cette suite de quêtes, je m'en fous. Pour commencer, je devrais te raconter ce qui s'est passé. Warfax s'est mis tout à coup à courir droit vers une averse. J'ai voulu l'arrêter pour pas qu'il se mouille, mais c'est là que j'ai vu la méga apparition. Elle avait l'air attirée par elle. Elle est attirée par les méga apparitions. Ça se trouve, Warfax pourra t'aider à enquêter dessus. Et tu pourras aussi compter sur moi. Je me fais du souci pour mon Pokémon. Méga apparition dans les plaines d'obsidienne. Let's go. T'es prête? On peut partir faire nos recherches maintenant, on y va? Oui, oui, oui. Allez, on n'a pas le temps de niaiser. Ah, parfait, allons bivouac. Allons bivouac. Bivouac. C'est pas le bivouac, c'est le bivouac. On va au bivouac. Ah non, j'ai pas envie de réaffronter du barbe, c'est bon. Fini Elden Ring. Au moment, on n'a rien vu d'anormal. Et Winfrex n'a pas particulièrement réagi. Restons encore ici un moment. Qui sait, il va peut-être se passer quelque chose. C'est comme ça qu'ils font évoluer les Pokémon. Il pleut, on dirait que c'est de plus en plus fort. Y'a qui œuvre? En fait, c'est la verre qui te met dans cet état. Je me demande vraiment ce qui provoque cette étrange méga apparition. Comment elle est fou? Tu regardes sur ta carte magique là, tu devrais trouver des renseignements, non? C'est Marcus. Allô? Wow, il y en a partout! Wow! Oh, 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 oh. Y'a Boubou! Ça fait pas plaisir. Hein. Une méga apparition est la manifestation de nombreuses apparitions massives en même temps. Les apparitions massives sont notées sur la carte avec un point d'interrogation époustouflant pour savoir quelle espèce de Pokémon ils sont présents. Les vagues apparitions disparaissent avec le temps. Alors, allez-y vite! Mettez les Pokémon KO ou capturez-les afin de compléter les recherches à l'endroit où les Pokémon supplémentaires apparaissent parfois juste pour juste après avoir complété les recherches. Ah. Alors, t'as une petite idée d'où aller plus arty. Ouais. Pour qu'on sache plus dessus, je pense que tu devrais aller observer au moins 3 endroits. Ouais, ben, on fera la première coupure tout de suite et on se retrouve tout de suite pour la suite. À tout de suite, les gens.